Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, les amis, comment allez-vous? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve sur ce jeu magnifique. Évidemment je parle de Spider-Man 2 avec l'épisode 16, comme d'habitude, un j'aime et un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Mais matez ça, sérieux. Eh les gars, regardez là, je bouge pas. T'es en mode, mais c'est... Aïe, 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 même deux... Non, c'est pas possible, les gars. C'est vraiment... Non, mais c'est pas possible. Allez, on est parti. On continue, évidemment, l'histoire principale. On a quelque chose... Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un petit creams. Allez, on va y aller vite fait, les amis. C'est juste en dessous. Qu'est-ce que c'est? Oh, waouh. Je ne sais plus comment je... Ok, c'est bon. Allez, j'espère que vous allez bien. On peut se faire de ceci. Et que vous avez passé, évidemment, bonne journée. Camouflage des blocs. Oh, d'accord, ça commence direct. Mais bah, on a des petits soucis de camouflage aujourd'hui. Hop, toi, mort dans le film. Très bien. Toi, mort dans le film. Très bien. Mort, oh oui. Toi. Pardon. Mort dans le film. Ok. Et voilà, et ben voilà. Pas de quoi paniquer, les amis, si. Quelqu'un panique ou pas? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Aïe. Allez, hop, montage en l'air, dans les règles de l'art. Non, c'est pas vrai. Viens par ici, le corbeau. Et ben voilà. Mais bon. Non, me dis pas qu'il y a des gens qui ont survécu. Je croyais qu'il y avait des gens qui avaient survécu tout en bas. Je suis absolument pas possible. Ok, et toi? C'est terminé. Bon, on est bon, j'ai dit. Bien sûr qu'on est bon. Allez. C'est parti, quête principale. Let's fucking go! Waouh! Ok, je préfère. On se calme, s'il vous plaît. La reprise est dure. Des nouvelles de Connors? Pas pour l'instant. C'est MJ. Mauvaise nouvelle. La maison de Connors est envahie de chasseurs et il n'y a aucune trace du docteur. Mais bonne nouvelle. Je crois savoir où le trouver. Sur l'autre rive du fleuve. Peut-être vers... On se mate, il nous attend. Prends le matos. Quoi? J'ai pas compris. Quoi? L'entraînement avec sable m'aura servi plutôt que prévu. On joue MJ avec un gun? Connors doit pas être bien loin. What the fuck? C'est incroyable! Je suis choqué! Il est où ce van? On dirait des données génomiques. Ils essaient de réactiver ces gènes reptiliens. Waouh! Je m'attendais tellement pas à ça! Oh, ils étudient le docteur Connors. Oh mon dieu, ils veulent le chasser aussi. Ok. Je suis un peu choqué, hein. Passer par là.
c'est pour voir un petit peu... Ils ont pris leurs aises, on dirait. C'est possible. Waouh. Ouais. Oh, la pierre, elle est tombée, tu mon pote. Tu sais que j'aime pas qu'on se faufile dans mon dos. Pierre, elle a pas rigolé, hein. Ok. Bon. On va pas confondre les touches. J'aurais une meilleure vue depuis le temps. Trouvez le docteur Connor. Les doses de sédatifs vous affaiblissent progressivement. Si vous êtes sous le toucher plusieurs fois, vous finissez par vous évanouir. Voilà, ma grande. T'as absolument rien à faire ici. Je vais devoir t'abattre, mais dignement. Je viens te chercher. Ok, bon, écoutez, c'est passé. Je pensais qu'il allait y croire, la pierre, mais il a sûrement dû la voir partir par-dessus lui. Ok. Bon, on est très très bien. Très très bien, même si je ne suis pas serein. Ok. Il faut que je les sépare. Il y en a tellement qui ont essayé de le tuer. Mi-homme, mi-bête. Je crois pas que ce soit possible. T'as raison. Enfoui sous les décombres. Attendez, je vais vérifier. Parfait. On s'en sort plutôt pas trop mal. Vous êtes où, Doc? C'est bien, ça change ces faces comme ça. C'est quoi ce truc? Oh, c'est le truc du bouffon vert. Oh mon dieu. Vulture. Ils l'ont. Je dois trouver Connors. Encore une nuit entachée par le silence de la mort. Je n'étais pas sûr de pouvoir lui couper les ailes. Bon, ça a peut-être été ma faiblesse, mais... Non. Même ça n'a pas suffi à le sauver. Il est mort. Ok. Bon, écoutez, il n'y a plus rien à observer. Téléphone ? C'est à Connors. Tenez bon. Harry, c'est MJ. Je suis dans un zoo abandonné à Jersey. C'est... Pitié. Non. Pitié. Vous comprenez pas. Ils ont utilisé un code pour entrer dans la cage. Et il faut des clés pour ouvrir les chaînes de Connors. Il faut que je les trouve. Ça fait beaucoup là, non? Ok. Voler des clés. Ça a déjà fait pire. C'est presque l'heure. Je vais voir ce que c'est. La bonne est bientôt prêt. J'adore cette soirée. Vous avez entendu? Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ils font des expériences avec l'équipement d'Electro. Je ne fais que gaspiller le peu de temps qu'il me reste. Il s'est montré faible de corps et d'esprit. Son équipement me sera peut-être utile. Et...
voilà. Parfait. Des clés? Un code? Fastoche? Je m'en occupe. Putain, ça avance vraiment pas loin. C'est catastrophique. Je vais voir. Je m'en occupe. On est incroyablement incroyablement chaud. Très très beau. Attends, pourquoi il y a plusieurs objectifs là par contre, je perds. Trouver les clés et trouver le code. Oh non. Je sais pas si je vais au bon endroit. Ben non, mais non, mais non. Trouver les clés et trouver le code. Faut que j'aille là-bas, je suis pas où. On va déjà voir checker, on va checker là-bas. On va pas paniquer. Le chasseur qui a les clés est allé par là. Je me rapproche. Là, il a la clé. Le système de camouflage. Je peux peut-être m'en servir. Je sais que ça a l'air débile. Mais je les sens qui sont là avec nous. Si t'es obsédé à ce point par l'esprit des morts. Système de camouflage. D'accord, là il me voit, là il me voit pas. Ok. Je suis bloqué au vire. Quoi ça? Putain, mais comment je peux faire? De traîner ici. Ah! Encore des chasseurs. Nous obtiendrons la victoire. Et qu'importe le prix. Elle est par là. Ne la perdez pas. Quand on te trouve, c'est fini pour toi. L'autre système de camouflage. Waouh, on a eu très très chaud. Bon, j'ai cru que j'allais passer. Manque plus que le code. Waouh, il y a des rapaces. Ok, il manque le code pour ouvrir la cage. Je sais, je vous en supplie, je sais. Mes yeux me jouent des tours. Je vais vérifier. Voir ce que c'était. Oh, on est trop fort. Je suis pas cramé. Je suis pas cramé là. C'est chaud, ça brûle, hein. C'est la mort qui arrive. Et la mort s'appelait MJ. Michael Jackson! Ok.
En fait, des torches. Ils attendent d'autres chasseurs. Ok, ok. La chasseuse qui a le code est allée vers la tanière des lions. Bon. Les amis, what a mission. Voyons voir. Kraven s'occupera de... Ferme. Ok. Waouh. Ok, pour l'instant, tout se passe très très bien, hein, vraiment. Hein. Très bien. La chasseuse qui a tapé le code ne doit plus être très loin. Personnellement, ok. On va les laisser, hein, les frères. Hein. Ils n'ont pas l'air plus gênants que ça. La chasseuse qui a le code est partie par là. Où est-ce qu'elle est ? Allez, ouais, par contre, les claviers. Oh, les claviers rembourrés qui survivraient à tout. Ok. Elle est là, la cousine. Tu estimes qu'à rien. Il utilisait Mangouste comme nom de code. Mangouste. Celui qui se cache derrière ce nom connaît peut-être le code. Je dois juste lui faire croire que je suis Vika. Des indicatifs radio. Voyons voir qui est notre mangouste. Bonjour, Garin. Si je veux pas me faire démasquer, il faut que j'en apprenne plus sur Vika. Ça me fait chier, la Vika. On dirait un organigramme. Bon, les capitaines. Je crois que c'est la bosse de Garin. C'est bon pour moi. Avant de répondre, il faudrait que je travaille un peu mon personnage. Pas vrai, les gars, oh! Vous me trollez ou quoi? Et je vais m'entraîner où? Là? De la poésie en simcarien. Ça doit être sa langue maternelle. Vegre Yohir. Elle parle simcarien parfaitement. J'espère que le mien n'est pas trop rouillé. Ok, il te faut ce code. Allez, MJ. Ton simcarien est encore... potable. T'as juste à répondre. It Vika. Vika, Monguznak. Vika, Betek Bosch. Garin, elegem vana, hiva saidból. Hol vana, ka kezülékez kódok? A kódok, sorozata, az információs táblán van, tudhatnád? Te pedig azt tudhatnád. Milyen hangon beszélhetsz velem? Ne hív többet, mert a fejedbe kerülhet. C'était pas si mal. Ok, je ferais mieux d'y aller avant qu'ils viennent vérifier. Okay. Il est où ce tableau? Bah écoute, il est là ce tableau, non? Le voilà. Moi je voulais l'enlever dès le début, mais bon. Les codes de l'enclos. Ok, Connors. Fichons le camp d'ici. 0451-3755-99, ok. Oh waouh, je crois que j'ai pas pris le meilleur chemin. On a perdu quelqu'un. Ok. Si on se casse
c'est mieux, non? Oh non. Oh là là, après Inception, Deception. On fait chier. Bon. Mais c'est le zoo qui a fermé après qu'un lion a attaqué un soigneur. Sale histoire. Ouais, bah j'y vais. Allez, c'est bon, ça bombarde. On a plus le temps pour toutes ces conneries. Je vais le trouver. Je vois rien trouver du tout. Tranquillement. Je suis sur le coup, Doc. Oh waouh. C'est combien là? C'est très drôle que ce soit MJ. Personne me voit là vraiment. MJ qui tabasse l'intégralité de tous les chasseurs de leur camp. Double dose. Je me dépêche de rejoindre. Oh non. Vous ne méritez pas ça. Crépuscule. 22 degrés Celsius. Oh, de larmes. Waouh, bah écoutez, c'est un épisode qui nécessite, vous l'aurez compris, moult concentration. Ok. Ce monstre. Il s'appelle Kurt Connors. C'est un homme bien. Il n'y a pas d'homme bien. Seulement de bonnes proies. Pardon pour le retard. Ça va, vous allez bien? Maintenant, oui. Il y a un labo dans l'atrium. Il y a peut-être... un échantillon de sérum. J'ai pas beaucoup de temps. On va vous en faire gagner. En haut de la colline, le bâtiment en vert. Pitié, faites vite. On vous fera un passage. Restez à couvert. Ne vous inquiétez pas, Doc. Ok, les gars, à quel moment j'ai récupéré ma clé classique? On est d'accord, hein? Jamais, hein? Tombstone, maintenant le lézard. Ouais, on dirait qu'ils tapent le sale boulot de leur chef. J'espère qu'il touche une fumée. Il fait une blague au pire moment. Ça prend vite. Oh, wow.
Okay. MJ, avancez, mais restez baissés. Compris. Des chasseurs qui nous bloquent la route. Et ils ont même des animaux de compagnie. Ok. Montage en l'air. On y est pas. Oh là là. Respirez. Ok. La voie est libre. Allez. Ça va, vous allez bien? Bon. Il est bien plus rapide que celui-là. Si on s'en sort. Alors, c'est maintenant il y a un truc qui n'a rien à voir avec le premier Spider-Man. On pouvait utiliser les soins même quand la jauge n'était pas pleine. Là, on peut plus. On est obligé d'utiliser les soins quand la jauge est pleine parce que ça nique littéralement une jauge et c'est tout, c'est comme ça. Donc c'est bien, ça rend la gestion un peu plus réfléchie. Allez-y, on vous couvre. Voilà. Ça, je dois pouvoir fabriquer un antidote avec ça. Il est ici. Rappelle-toi en primaire quand tu...
pas, mon pote. Pete. Non. Sors-le d'ici. Je m'occupe de ça. Compris. Et on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre épisode. Vous l'aurez compris. Allez, à tout de suite tout le monde.